Salut tout le monde, merci d'être là. Tout de suite, on partait un petit vidéo simple, short and sweet aujourd'hui. On m'a demandé des recommandations pour un air blower. Fait que quelques fois que je voyais ce modèle-là passer sur Amazon, je le trouvais cher un peu. Par exemple, là, il était 95, je vais vous montrer tantôt. Il était 95 sur Amazon, fait que je le trouvais cher un peu. Étant le magasineur comme je suis, puis le chercheur, le deal hunter que je suis, j'ai trouvé un petit de quoi d'intéressant. Attends, de quoi d'intéressant pour vous. Fait que je vais vous montrer ça, dans le fond. C'est ça. Attendez, je vais splitter ça comme il faut. Fait que le petit produit ici, si vous regardez, dans le fond. C'est ça, comme je disais, sur Amazon, 95$, ça fait cher un peu du cube d'air ou je sais pas quoi, là. Ça fait cher un peu pour pousser l'air. Fait que j'ai trouvé, je voulais pas le montrer trop tôt, vous allez avoir un preview, mais c'est ça, sur le site du fabricant qui est Opolar, si vous allez sur le site présentement, là, on est en janvier 2021, je présume que le deal va rester un petit bout là. Il se trouve à 56,99 US, mais c'est pas tout, mesdames et messieurs. Puis en passant, je mettrai pas de lien en tout parce que j'ai pas de recommandation, j'ai pas d'affiliation ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous faire profiter. Fait que c'est ça. Mettons, si on fait checkout ici, petite application de c'est une extension de Chrome qui s'appelle Honey qui vous fait économiser. Puis là-dessus non plus, j'ai pas de l'affiliation ou quoi que ce soit, c'est juste que je vous en ferai profiter. Avec le code OPOLAR15, ça revient à 48,45 US ici. Ce qui fait en canadien, là, au jour d'aujourd'hui, c'était à peu près 62$. Fait que shippé à votre porte pis tout. Fait que c'est très intéressant comme deal. Puis tu sais, moi je pense de mémoire, j'ai pas les informations tracking parce qu'ils n'auront pas updaté ou quoi que ce soit, mais je pense que ça m'a surpris tellement qu'il est rentré vite parce que c'est de quoi, hein, c'est un fournisseur américain, probablement dans l'ouest, je sais pas quoi là, mais tu sais, ça a pris même pas une semaine de mémoire. Je me mettrais pas la main au feu pour ça là, mais de mémoire, c'est assez intéressant. Donc, puis une fois qu'on a parlé de cette bébelle là, je vais vous montrer comment elle marche aussi. Que le restant, tu sais, c'est de bête bien, c'est un petit peu sur le bouton. Oh là là! Ça pousse de l'air, mesdames et messieurs. Là, puis la même chose, mettons, tu sais, j'ai un exemple, un laptop ici, là, il n'y a plus de poussière dedans, parce que ça fait une couple de fois que je fais le vidéo, mais vous allez voir, là, ça pousse assez pour que. Même affaire, tu sais, ça. Ça rentre tout ce que l'air faut qu'elle rentre, puis elle sort ce qu'il faut qu'elle sorte, mais avec la poussière en moins. Et vous pouvez l'utiliser aussi pour d'autres choses. Là. Moi, étant musicien, je m'en sers beaucoup pour tous mes devices, tout mon gear, où il y a des boutons partout. Fait que, c'est rough un peu aller faire sortir la poussière dans ces affaires-là. Ça vient avec deux accessoires, la petite brosse, mesdames et messieurs, pour nettoyer comme il faut. Sinon, c'est ça, la plug. Plug, c'est USB, je pense type B de mémoire là. Ouais, c'est ça. Comme pour les anciens téléphones, si vous aviez un Android ou de quoi d'engin, c'est les anciens téléphones d'un certain âge. À ça, c'est tout rendu du type C, mais tu sais, probablement que ben, tu sais, ça vient aussi avec la plug. Fait que ça aurait pas de trouble. Ça peut servir dans n'importe quoi où on a le goût de pousser de l'air pour sortir les cochonneries, là. T'sais. Même dans un char pour les trappes d'aération, là, ça peut être intéressant à la place de. D'avoir de la poussière comme ça en face quand on le met à on à l'été pour avoir de l'air climatisé. Là. Sinon, c'est pas mal ça. Si vous avez apprécié la vidéo, like and subscribe, puis etc. Vous savez la routine. Je vais avoir d'autres vidéos aussi, une tangente un peu plus. Je vais alterner un peu plus les vidéos un peu plus techniques, les critiques, les affaires de la main. Si ça vous intéresse, abonnez-vous à la page. Puis si vous avez suggestions ou des questions ou dans le sujet que vous vouliez qu'on traite, là, je vous invite à l'envoyer soit en message sur la page Facebook qui est Timmin Gaming, sinon, puis le lien est sur YouTube aussi, là. Et sinon, envoyez-moi un message, commenter ou quoi que ce soit, là. On est tout le temps ouvert. Fait que sur ce, merci d'avoir été là.